La culture comme moyen d'expression, un tremplin pour véhiculer des messages. Une raison suffisante pour la haute autorité à la consolidation de la paix d'y faire assez souvent recours pour transmettre ses messages de paix, de tolérance et de cohésion sociale, des valeurs cardinales sur lesquelles elle se repose en vue de conjurer le mauvais sort et ramener la sécurité et la paix dans des zones qui l'ont perdue. Et Bani Bongou est un exemple de celle-là. À travers ses activités socio-culturelles, la HACP met en effet en compétition plusieurs groupes artistiques dans plusieurs domaines, chant, sketch, poème, danse, théâtre, mais un seul objectif et un seul thème, la paix et tous ceux qui y concourent. Le jury s'est réuni et nous avons d'abord déterminé quels sont les critères d'appréciation des différents éléments présentés. Le thème général existe partout dans les trois prestations. Et en dehors de ça, il y a la maîtrise de l'ordre, c'est-à-dire la mise en scène. Et nous avons aussi soulevé comme sous-thème abordé. Par exemple, le signage à Byzantini, ce sont des valeurs cardinales dans le cadre donc, de la paix. Ici, c'est à travers le projet Redressement Tilaberi, financé par l'Agence française de développement, que la HACP met en œuvre la présente activité socio-culturelle pour que tous ensemble militent en faveur d'une cohésion sociale solide et une paix durable au Niger.